Maman, donne-moi ta force. Cindy Sander endeuillée, la chanteuse a perdu sa mère. Ce samedi 21 octobre, Cindy Sander s'est levée en pensant à sa maman. Par le biais de plusieurs photos et vidéos partagées dans ses stories sur Instagram, la chanteuse a eu une tendre pensée pour sa mère, décédée il y a quelques jours. Cindy Sander n'a pas le cœur à la fête. Le 23 janvier 2022, l'ancienne participante de Nouvelle Star perdait son mentor, le créateur de mode Thierry Mugler, à l'âge de 73 ans. Une disparition que la mère de famille n'a pas vue venir, comme elle l'avait expliqué à Jordan Deluxe. Je l'ai eu au téléphone quelques jours avant le décès, il parlait de beaux projets, c'est arrivé tellement vite que moi-même aujourd'hui, je ne réalise pas. Il est mort naturellement, avait-elle confié. En apprenant sa mort, elle, interprète de Papillon de Lumière, avait laissé parler sa peine sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon cœur est lourd, vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n'y croyait, mon papa de cœur, avait-elle écrit sur Instagram, au lendemain de sa disparition. Mercredi 18 octobre, Cindy Sander a partagé une publication bouleversante sur Instagram, dans laquelle elle apprenait à ses followers la mort de sa mère. Pour ce faire, l'ancienne star de télé-réalité s'était contentée d'écrire « Maman » pour simple légende, le tout agrémenté d'un emoji en forme de cœur, puis un autre représentant une colombe. Cindy Sander bouleversée par la mort de sa mère. En partageant cette publication, Cindy Sander a reçu de tendres messages de la part de ses amis proches, dont Chimène Badi, Séverine Ferré ou encore Amélie Nethen. Si la chanteuse ne donne aucun détail sur les circonstances de sa mort, cette dernière peine à remonter la pente. Preuve en est, ce vendredi 20 octobre, la jeune femme de 43 ans a dédié ses dernières stories à celle qui lui a donné la vie. Celle qui avait fait l'objet de critiques par Marianne James au moment de son audition dans Nouvelle Star, a partagé une vidéo aux côtés de sa mère, à l'occasion de son anniversaire, en avril dernier. Par la suite, la mère de famille a partagé la toute dernière interview filmée de sa défunte maman. Dernier tournage avec maman. Je chante pour toi, a-t-elle légendé, très émue. Ce samedi 21 octobre, Cindy Sander s'est réveillée le vague à l'âme. Dans une énième vidéo, la jeune femme déambule dans sa maison, sur la chanson de Dalida, Je suis malade. « Maman, donne-moi ta force », écrit-elle, avant de préciser que chaque nouveau jour est encore plus dur que la veille. Dans cette épreuve douloureuse, la star de la chanson peut compter sur le soutien de son mari, Sébastien, et son fils, Enzo, ses piliers face à l'adversité.